welcome to the stage, Flavia Coelho! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Se você quer, podemos falar português, então vamos falar português. Mas eu posso fazer as perguntas em português, mas eu não posso compreender as expressões. Diga! No, what we will do, I'll ask you the questions in English, John will translate in French, and then translate your answer. Flavia, first of all, welcome to Reggae Sans Girl. Thank you so much. If this is your first time here, what can we expect from your performance? Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre performance plus tard? Je suis tellement heureuse d'être ici, j'espère que ça va bien se passer et la vague est là, le soleil est de retour. Tous mes amis qui ont déjà joué ici m'ont tellement bien parlé de ce festival, je suis très heureuse d'être là, j'espère que ça va bien se passer. Do you need translations then? I will need translations, I won't understand your answers for that. So first of all, I want to know if you came up with the term Bossa Mafia. Est-ce que c'est vous qui avez inventé le mot Bossa Mafia? Non, Mafia, pas Mafia. Okay, Mafia. Mafia, c'est soprano. ouais, ça n'a plus, parce que finalement, je tourne avec le même groupe depuis 4 ans, on est presque une mafia, c'est vrai. En fait, Bossa Mafia, ça sort de Bossa, quand on évoque la musique traditionnelle brésilienne. La bossa nova, le forró, le shot, le samba, le pagode, on évoque tout ça. Et le mafia, c'est le raga, le reggae, le hip-hop. Et moi, je suis issue de ces deux cultures. Je suis une jeune femme qui a grandi dans la musique traditionnelle brésilienne, mais il y a tout ça au Brésil. On a des groupes de reggae énormes. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance dans un village où on écoutait du reggae dans les sound systems tous les week-ends et du roots. Et quand je suis partie dans le sud, on jouait du métal, donc ça c'est le Brésil. Et pour moi, le bossa mafia, c'est ça, c'est mélanger le traditionnel avec le son d'actualité. And the mix of the different styles, the reggae and the bossa music, really works so well. Did you know this before you were going to make that music? Non, pardon, je ne sais pas. Non, non, c'est bon, si tu comprends la question. Non, j'aurais jamais pu faire ces albums au Brésil. Au Brésil, avant, pour moi, tout était brésilien. Or, la musique qui venait des États-Unis, l'accordéon était brésilien, la guitare était brésilienne. Absolument toutes nos musiques, c'était des chez nous. Mais ça, c'est une façon brésilienne de penser. Nous sommes tellement nombreux qu'on s'est dit que tout vient de chez nous. Et quand j'ai quitté le Brésil et que je suis venue en Europe, c'est là où je rencontre les Maliens, les Guinéens, les Congolais, les Serbes, les Croates, les Russes, les Jazzmen des États-Unis, et qui me jouent leur musique. Et je dis, mais attends, ça c'est ma musique. Et là donc ça commence mon aventure à essayer de comprendre d'où venait la musique vraiment du Brésil, pour essayer de faire ma musique à moi. Si je n'avais pas parti du Brésil, si je n'étais pas parti du Brésil, j'aurais jamais pu faire ces albums à cause de ça. J'allais rester dans ce que les gens font dans le pays. Et ça, à l'époque, je ne voulais pas trop. Je voulais faire quelque chose de différent. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Ça, c'est sûr. And I think you mentioned about your travels and coming over to Europe. What country for you has been like a home away from home? Quel pays en dehors de votre propre pays vous fait penser comme si vous étiez chez vous, en dehors du pays? Il y en a tellement, parce que je n'ai quand même pas mal voyagé et j'ai eu la chance de rencontrer toujours des gens magnifiques. Et à chaque fois, je retrouve une couleur du Brésil. Au Brésil, on a une grande communauté d'Italiens, des Japonais, des Chinois, des gens de partout. Donc où je voyage, il y a un petit truc que j'ai déjà vu. Et c'est ça ma vie maintenant. Quand ce truc-là il m'a déclenché, je suis éternellement en recherche. And you have a song called De Paris à Rio. What was your can you tell us about your experience coming from Brazil
and arriving in Paris. How was that? What was that like for you? Was it a culture shock? Was it a shock to your system? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as atterri à Paris du Brésil, genre de bah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un clash de culture ou... Non, ce n'était pas vraiment un clash de culture parce que je voulais tellement ça et même si la culture était très différente, ce n'était pas grave. Je pense que le plus difficile, évidemment, c'est ce sentiment, la peur, le fait d'être seule. C'était la première fois que je quittais vraiment le Brésil pour commencer une nouvelle vie quelque part. Et ça, voilà, tous ces sentiments qui venaient, mais c'est ça ce que je cherchais aussi. Donc, je les ai vus, je les ai vécus, et maintenant je suis là. And you've been playing music and making music from such a young age. Can you tell us how your style or your sound or even your musicality has changed over the years? T'as commencé à faire la musique très tôt. Est-ce, comment tu peux décrire comment ton son a évolué au travers du temps? C'est comme tout le monde, on vieillit et on commence à enlever les choses. comme je commençais la musique à l'âge de 14 ans et je passais par tout ce genre de musique, toute la musique traditionnelle brésilienne, après plus tard le jazz, le blues, le rock, le metal, le grunge, le surf, le reggae. Et pour arriver à ma musique, il fallait quand même beaucoup de travail avant. Et ce travail, j'ai dû faire d'abord seule. Après, avec les rencontres que je fais avec Victor Bach, mon producteur, celui qui réalise les albums, Bika Bika Pierre, musicien d'origine camerounaise, qui est vraiment ouvert la porte de l'Afrique, et qui ont su travailler, m'aider justement à trouver ma voix dans ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire à niveau de mélange, mais quand on est jeune, plus on a tendance de faire trop, et je pense qu'avec le temps, on enlève ce qu'il y a de trop. Ça, c'est bien. Merci. I'll take this opportunity to open it to the floor. Is there anybody here who has a question for Flavia? Jonathan will help you with the microphone. Thank you, Flavia. Tu te la connais en français? Ah, bah, toi, ouais, du coup, mais du coup, si la musique n'était pas dans ta vie, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Waouh, je ne me suis jamais posé cette question. Jamais. Même quand je faisais des boulots, que je me disais, ouais. Non, je ne pense pas à ça. Toujours il y a quelque chose d'artistique. Je suis une très mauvaise peintre, donc ce n'est pas possible. Mais peut-être plus tard, je peux penser à ce genre de choses. Mais là, je n'ai pas la réponse. Je suis désolée. C'est une autre question. L'inspiration, en fait. Okay. Bonjour, Flavia. J'ai des sources d'inspiration musicale en fait, en fait. Peux-tu nous en dire plus? Mes sources d'inspiration, la vie, les gens. Ça peut sonner un peu, ah vas-y, tu paquettes la vie, blon, blon. Non, c'est, quand on dit comme ça, c'est vrai que c'est comme ça. Mais c'est encore plus intime que ça. Quand mon deuxième album, ça parle vraiment du Brésil, mais pas le Brésil des cocotiers, le Brésil des plages, celui-là on connaît tous, on les a bien entendus dans les ascenseurs. Moi, je suis issue d'un Brésil des dernières trentaine d'années, qui sort d'une dictature, devient démocratie, qui est pauvre, on se rend compte qu'on est très pauvre, qu'on n'a personne, et du jour au lendemain, on devient très riche, et la société, elle change, voilà. Au milieu de toute cette schizophrénie brésilienne, je suis née dans ça. Et ma musique, donc, elle parle de ces changements-là. Du paysan qui n'a jamais vu l'internet de sa vie, il tombe avec le sujet du réchauffement climatique alors qu'il n'a jamais lui-même touché un ordinateur. Ou des histoires de familles qui sont brisées par des histoires de violence. Bref, il y a, ou des histoires d'amour, des histoires de rencontres. Je suis une jeune femme qui voit les choses et qui essaie d'écrire un maximum là-dessus. Do you have any other questions in the audience? No questions, soyez pas timide. Trop timide. Well, we'll say this. Thank you very much for your time and for coming to us. It's a pleasure and talking with us.